Le sort de Yulia Tymoshenko est désormais entre les mains du Parlement ukrainien. À Kiev, les députés se penchent actuellement sur une révision du code pénal, ce qui permettrait à l'ancienne Premier ministre d'échapper à la peine de 7 ans de prison, à laquelle elle a été condamnée pour abus de pouvoir. Une révision qui serait un revirement de situation certainement lié à l'énorme pression que subit l'Ukraine de la part de l'Union européenne et de la Russie pour la libérer. Interrogé par le correspondant d'Euronews en Ukraine, le président Viktor Yanukovych admet que le cas Tymoshenko est très contradictoire parce qu'il renvoie à des infractions de plusieurs ordres. Тут присутні дуже багато різних порушень закону. D'un côté, affirme-t-il, cette affaire relève un caractère hautement politique. Mais d'un autre côté, c'est tout simplement une affaire criminelle. А друге питання лежить в площині чисто кримінальних. L'Union européenne vient d'annoncer qu'elle annulait la visite du président Viktor Yanukovych prévue ce jeudi à Bruxelles. Une visite qui devait permettre d'avancer vers un accord d'association avec l'Ukraine.